Hey, c'est Fat Jim, salut à tous les gros et à tous les accros. Aujourd'hui c'est dimanche et dimanche on fait le bilan. C'est parti. L'entraînement. J'avais qu'une envie, c'est me jeter dans mon lit, quoi. Là, je me suis écroulé. Je vais aller prendre une bonne douche. Et avec cette chaleur de malade, là. Heureusement que je m'entraîne le matin, c'est dur. Avec cette chaleur de malade, c'est dur à supporter. Ouais, il faut que je me rase. Ouais, je sais. Donc voilà, allez, on va prendre une bonne douche. Et c'est reparti pour le reste de la journée. Je suis crevé. Je vais faire une petite confidence. En fait, j'ai le mal des transports depuis que je suis tout petit. Ce qui veut dire que dès que je monte dans une voiture, le pire du pire, c'est le bus. Hein. Quand je monte dans une voiture, au bout de quelques minutes, je commence à pas être très très bien. Sauf que là, madame, elle m'a dit, je connais des petits chemins tranquilles, repasser par là, tu vas voir. Ouais. Bam, 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 droite, gauche, haut, droit, bam, fou, 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 je sais plus quoi. Mais je sais plus quoi. C'est un coup t'es à droite, un coup t'es à gauche, un coup tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Pendant plus d'une heure, hein. Bah, presque une heure et demie environ. Putain. Je suis au bout de ma vie. Au bout de ma vie, enfin, clairement. En plus, on arrive. Alors, l'histoire de fou, hein. On arrive, on stationne. On va en face, il y a un petit truc pour aller faire pipi. On va au truc du pipi, on ressort, on entend bam, bam, bam. Un gars, il défonce toutes les bagnoles. Toutes les voitures en stationnement, il accroche la pétrole de la voiture en passant et tout. Bordel. La journée commence très très bien. On a trouvé un petit chantier, une petite allée tranquillou. On va aller passer par là, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a.
si vous savez pas, et ben ça, c'est pour faire de la bière. Ah ouais, du houblon. C'est comme ça qu'on fait de la bonne petite mousse. Et puis quand c'est la fin de l'été, c'est comme ça qu'on recycle les bouées. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est censé être une œuvre d'art ou quoi. Je vais essayer de zoomer. Alors, je tiens le chien en même temps, c'est la merde. Hop. Vous voyez? Voilà. Les gens, la semaine elle se termine, donc là j'ai fait mon dernier entraînement de la semaine. Donc pour tout vous dire, j'ai fait 3 entraînements seulement cette semaine, donc vous avez pu le voir dans les vidéos, hein. Donc 3 entraînements, j'ai fait 0 cardio cette semaine, la diète, j'ai quasiment pas eu un seul repas sain de la semaine. Pourquoi? Parce que voilà, il y a des imprévus, hein. Je suis monsieur tout le monde, hein, comme vous savez, hein. Donc je suis pas différent de vous, il peut m'arriver des choses dans la vie, il peut m'arriver des galères, c'est pas pour autant que je perds le moral, il faut garder le sourire, il faut se débrouiller, il faut s'adapter, c'est comme ça, c'est la vie, il faut vraiment se préparer à tout quand c'est comme ça, et moi là franchement, ça me fait ni chaud ni froid, j'ai pas peur, je suis pas en train de préparer une compétition, je sais pertinemment qu'avec la motivation que j'ai, je vais pouvoir rattraper le retard, easy. Easy, ouais, voilà si on veut. Voilà quoi, donc voilà, il faut pas se prendre la tête quand c'est comme ça, les gens, faut pas se forcer, oubliez pas, ça reste une passion. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, les gens, j'ai terminé ma première vidéo, j'ai clôturé la première vidéo à cet endroit là, il y a 4 mois en arrière, j'affichais pas du tout le même physique, j'avais pas la même tête du tout. Là, je sortais de l'entraînement, j'étais essoufflé comme un gros porc ici, là, je pète la forme et. Et voilà, je me fais pas de soucis, je sais pertinemment que la semaine prochaine, ce que je ferai, ça sera encore plus lourd, encore plus fort et encore plus efficace. Voilà, on continue. Bon alors, on va voir un petit peu les dégâts du coup du dimanche matin. Bon, ça va, 1 kg quoi. Ça passe. Voilà, donc pour ce qui est de mon tour de taille, lui il a pas bougé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc pour ce qui est des dégâts, ça va encore en fait au final. Malgré que j'ai bouffé de la merde, on dirait que je reste à peu près propre, à peu près. Mais bon, à mon avis, c'est surtout du glycogène, hein. J'ai certainement dû recharger avec la malbouffe. Donc voilà, la semaine prochaine, je repartirai plus fort. C'est tout, pour le moment. Voilà, donc pour les mensurations, vous voyez, il n'y a pas eu tant de dégâts que ça, hein. C'est juste que j'ai pas de progression du coup. C'est pas grave, hein. Comme je vous ai dit, on s'en fout un petit peu.
Le plus important, c'est que du coup, bah, la semaine prochaine, j'aurai plus de temps. Par contre, là, j'aurai plus de temps pour m'entraîner. Donc, normalement, je pourrais m'entraîner 6 fois la semaine prochaine. Je pourrais au moins faire au moins 3 fois du cardio. Donc, vraiment, mon emploi du temps sera complètement différent. Donc, là, vraiment, je vais pouvoir me déchaîner. Et surtout, retour à la diète. Donc, la bonne bouffe, tout ça. Donc, je vais aller chercher ce qu'il faut. Là, je vais aller faire les courses tout à l'heure. Donc, prendre tout ce qu'il faut. Non, les dimanches. Bon, bah, demain. Voilà quoi. Donc, demain, j'irai chercher tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc là du coup bah, je vous dis rendez-vous donc dimanche prochain. Entre deux, j'essaierai de vous faire une petite vidéo sur le top 5 des excuses pour pas aller à la salle de muscu. Allez, bonne semaine à tous.